Voilà déjà une année que je vous emmène avec moi en voyage avec ces petits films. Ensemble, nous sommes allés au bord de la rivière à Chiang Mai voir les pêcheurs. Nous avons survolé les forêts, suivi les rivières, et avons plongé dans le Mekong, ici à Chiang Rai. Le Mekong encore, mais entre l'œil et Nong Khai. Avec vous, j'ai marché au bord de la rivière Kwai. Remonter la rivière jusqu'à sa source et trouver un autre pont, moins connu. Non seulement cette femme s'est planté les choux, mais elle sait traverser les ponts. Nous avons survolé les lacs de Lotus. Ah, ces filets par contre, je ne vous les avais pas montrés. Ce pêcheur à l'arbalète non plus, je ne vous l'avais pas montré. Je ne vous ai pas parlé non plus de ceux qui récoltent le caoutchouc dans les plantations d'EVA. Ben ce sera pour la prochaine fois. Par contre, le séchage de tabac, je vous en ai parlé. C'était au bord de la rivière Meuil. En Isan, on cultive beaucoup la canne à sucre, et avec la canne à sucre, on fait du rhum. Pelé et puis pressé, le jus de canne à sucre est conservé quelques jours pour la fermentation. Avant d'être distillé pour en faire du rhum. Je vous ai aussi emmené boire le café dans une plantation de café. Le grain de café est lui aussi fermenté avant d'être torréfié. Cette femme ne danse pas, elle retourne les racines de manioc. Avec le manioc, on fait de la farine pour l'exportation.
C'est en août et septembre que les rizières sont les plus vertes. D'octobre en couplerie. Au mois de novembre, on le ramasse et on sépare la graine. Je vous ai aussi emmené voir les fleurs de topinambour qui recouvrent les montagnes de Meonson. C'était très beau. Nous avons vu le festival de Yipeng Loikratong qui marque le début de la saison froide. Et qu'est-ce que l'on plante à la saison froide? Des piments. Ça réchauffe. Vous allez croire que je passe mon temps à boire des jus de mangue et sympathiser avec la population locale. Les marais salants, je ne vous les avais pas montrés non plus. Il y avait beaucoup de vent et pas un chat. Mais des oiseaux. Bon allez, on reprend la route. Mais non, pas comme ça. Et on ne pouvait pas venir sans manger de salade de papaye. Nous avons aussi marché avec les moines. Et vous vous souvenez, à Nan, nous avons écouté un concert privé. J'ai faim! Qu'est-ce qu'on mange, madame? Un lap de canard! Ça a l'air bon! C'est bon! On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures!